J'ai réécrit 3 fois ce documentaire. Entre mes 38 heures de boulot, oui, parce que si tu le sais pas, je suis le mec que t'appelles quand t'as ton wifi qui merde, et puis justement, je me suis dit merde. On est presque 8 milliards d'humains sur Terre, on papote, pullule, pollue et pâlit de ce qu'on voit derrière nos écrans. Et je sais de quoi je parle, vos écrans c'est mon taf. Vous en avez pas marre? Vous en avez oublié le son? L'essence. La lumière. Et ce putain de soleil, qui a plus de 4,6 milliards d'années, sans qui rien ne serait jamais arrivé. Ni nous, ni nos écrans. Alors c'est vrai. Je ne me suis jamais vraiment présenté sur YouTube. J'en ai dit le moins possible. Car j'y lis assez de conneries en commentaire entre les plateux et les homophobes. Alors voilà. Je suis Nicolas. J'ai pas fait de grandes études, je suis pas scientifique ou astrophysicien. J'ai été serveur pendant 10 ans. Mais tout comme toi, je suis un terrien, qui a une durée de vie limitée à l'échelle du cosmos. Tout comme toi, j'ai visionné sur Netflix, YouTube ou autres plateformes. J'ai beaucoup lu et cherché pour comprendre ce que je suis, ce qui m'entoure, pour m'instruire et rêver en observant l'espace. Parce que je suis vivant et doté d'intelligence, et je me demande aussi, sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis que nous savons que l'univers est vaste, sinon infini, il n'y a pas de raison de s'interdire de penser que nous ne sommes pas seuls. Atteindre l'étoile la plus proche, ce n'est pas pour demain. Alors si on se concentrait sur ce que l'on a déjà? Alors que des milliards d'étoiles sont dispersées à travers tout l'univers, celle au centre de notre système solaire joue un rôle très spécial pour nous, ici sur Terre. Notre Soleil s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, dans le bras d'Orion, situé dans la Voie lactée. Il est né quand un nuage de poussière et de gaz connu sous le nom de nébuleuse solaire s'est effondré. Lors de cette formation, la matière qui avait été condensée en une boule de gaz de feu est devenue notre Soleil. La nature ardente du Soleil, ainsi que l'attraction gravitationnelle et un champ magnétique étendu, lui ont permis de devenir le cœur de notre système solaire. Le Soleil peut être divisé en 6 couches ou régions, la couronne, la chromosphère, la photosphère, les zones convectives et radiatives, et le noyau. Pour ce qui est des atomes, le Soleil est composé d'environ 91% d'hydrogène, le carburant du Soleil, 8,9% d'hélium et 0,1% des éléments plus lourds tels que le carbone et l'azote. En raison des températures extrêmes du Soleil, ces éléments restent dans une phase qui s'apparente au gaz, le plasma. Au centre, la température d'au moins 15 millions de degrés Celsius combinée à la puissante gravité du Soleil font fusionner ensemble des molécules d'hydrogène pour créer de l'hélium. Appelé fusion thermonucléaire, ce processus libère une énorme quantité d'énergie sous forme de rayonnement, d'électricité, de vent solaire, et comme nous l'expérimentons sur Terre, de chaleur et de lumière vitale.
Cette volatilité des matières est contenue grâce à la forte gravité du Soleil. Cette gravité causée par la taille et la masse du Soleil est assez forte pour maintenir le système solaire intact. Notre Soleil est l'objet le plus grand et le plus massif dans le système solaire. C'est plus de 100 fois la largeur de la Terre et il pourrait théoriquement contenir les 8 planètes du système près de 600 fois. Il contient également environ 99,8% de toute la masse du système solaire. En bref, on ne représente absolument rien. À cause de cette masse, le Soleil tire beaucoup sur le tissu de l'espace, créant une force gravitationnelle qui attire les corps planétaires à proximité. Cette attraction gravitationnelle permet au Soleil de maintenir ensemble un système composé de 8 planètes. Malgré l'émulation suscitée par la chasse d'une 9e planète qui devrait être d'une taille significative, celle-ci n'a toujours pas été découverte. C'est pourquoi deux astronomes émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un petit trou noir de la taille d'une balle de tennis. Sans la gravité du Soleil, ses corps célestes dériveraient dans l'espace. Sans compter ses potentiellement 2 douzaines de planètes naines, d'au moins 173 lunes et d'innombrables comètes et astéroïdes. Sans la gravité du Soleil, ses corps célestes dériveraient dans l'espace. Une autre propriété déterminante du Soleil est son champ magnétique qui encapsule l'ensemble du système solaire. Appelé héliosphère, ce champ de force protège les planètes des rayonnements cosmiques nocifs. Il tire sa source dans le plasma du Soleil, poussant les particules chargées électriquement vers les pôles de l'étoile. Ce processus transforme le Soleil en un aimant géant. Bien que le champ magnétique du Soleil soit invisible à l'œil nu, ses effets sont perceptibles. À la surface du Soleil se trouvent des zones sombres appelées taches solaires qui marquent de fortes poches de magnétisme. Concernant la Terre et d'autres planètes, le champ magnétique du Soleil interagit avec leur atmosphère, créant ainsi de belles aurores boréales. À ce propos, le Soleil n'est pas jaune, mais blanc dans l'espace. C'est l'atmosphère de la planète depuis laquelle tu l'observes qui résulte de ta perception avec ton œil à toi, humain. Malgré sa taille et sa force, le Soleil ne brillera pas éternellement. Dans environ 6,5 milliards d'années, il manquera d'hydrogène, se développera pour envelopper Mercure, Vénus et même la Terre, puis s'effondrera pour devenir une petite étoile connue sous le nom de naine blanche. En attendant, le Soleil continuera de jouer un rôle déterminant dans le système qui porte son nom. Le champ magnétique protecteur du Soleil, sa forte attraction gravitationnelle et sa capacité à créer de grandes quantités d'énergie continueront de nous protéger, contenir et donner la vie à notre système solaire.